toujours pas. Oh. Combien il reste de kilomètres? C'est pas vrai! Bon, allez, sors de la voiture! T'es content de toi, j'imagine, hein? T'es vraiment qu'un petit abruti! Ne bouge pas en avant! Relève la tête! Mais bouge-toi le nez, bon sang! Mais regarde-moi ça! T'en as foutu plein ta chemise! Oh! Mais c'est toi qui m'as nettoyé tout ça, je te préviens! Petit œil d'espion, je vois quelque chose qui commence par un V. Oh, tu ferais pas mieux de regarder la route au lieu de jouer à tes jeux idiots? Mais tu te plains toujours de n'avoir jamais rien à faire. Vibreur? Je te demande pardon? Bah, commençant par V, tu sais bien, les vibrations, tout ça. Ah, c'est pas ça. Ce serait pas vasectomie? Quoi? Quand on n'a pas eu les animaux? Non. Ah bah alors, ce serait voiture? Oui, c'est ça, voiture. Bravo! À toi maintenant. Alors... Avec mon œil d'espion, je vois quelque chose qui commence par la lettre C. Camionnette? Non. Champ? Non. Calandre? Non. Canapé? Non. C'est dans la voiture ou c'est dehors? C'est dedans. Tu veux un indice en plus? Mais si tu veux. C'est un autre nom pour désigner la personne qui conduit. Je ne suis pas sûr de comprendre où tu veux en venir. Bah, au début, j'avais pensé que ça pouvait être conducteur. Ensuite, j'ai pensé à con, ou à cornio, ou à connard. Et pourquoi on s'arrête? Dis donc, toi, c'est pas moi. Ici tout de suite.